Et bonjour, bonjour! Dans la série des jeux où on incarne des animaux, après Maniteur, on était un requin, Tokyo Jungle, on a fait plein d'animaux, avant le I Am Fish, qui a été choisi en jeu de merde par Chevy hier et que je vais devoir faire prochainement, où on incarnera un poisson dans son bocal, et ben là on va incarner une oie, que le jeu est offert à partir d'aujourd'hui, enfin offert. Est disponible à partir d'aujourd'hui aux abonnés PlayStation Plus Extra ou Premium. Et comme c'est aujourd'hui que se termine mon abonnement, bah c'était aujourd'hui que j'avais l'occasion d'y jouer ou jamais. Je sais que c'est un jeu qui, à sa sortie, je sais quoi, il y a 2 ans maintenant, un truc comme ça, je vais même pas vérifier, a eu un gros succès, qui apparemment beaucoup de gens ont streamé déjà, et qui était très drôle. Allez, option déjà, au niveau du son. Et là j'ai changé, attends, je vais remettre hein, à 100% le son pour changer. Là. On va tout mettre à 5. Puis ça, ouais, quand je parle, je recouvre pas énormément le son. On va peut-être mettre à 4. On va tout mettre à 4. On pourrait jouer à deux, mais j'ai pas cherché. Il connaît deux joueurs, on s'en fout. Italique, c'est... Oh, c'est moche. Non, italique, c'est bien. Bah, let's go! Totalement, hein, parce que ce que j'en ai vu, c'est peut-être même pas 5 minutes sur YouTube, ouais, 2 minutes. Okay, je suis là. Et bien, me voilà. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est ça, courir. Pencher où? Oui, ok. Bon, ça, on s'en fout du coup. Je rappuie pour lâcher, ok. Il y a un autre truc quelque part. C'est bon que je prenne. C'est bizarre qu'il me laisse le tuto. Me laisser le tuto comme si bah, je l'avais pas fait. Rien faire là? Non. Alors comment empêcher le monde? C'est la question. Hop, la flotte.
Voilà. T'as qu'à surveiller tes affaires. Voilà. Pareil, sandwich, voilà. Les gens qui surveillent pas leur pique-nique, moi ça m'énerve. Ah merde, je voulais l'enfermer. Est-ce que je peux fermer la porte? Voilà, c'est. Et. Voilà. Non, il l'a relâché. Ça s'est fait du coup. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Eh, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai ta rose, hein? Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Compliqué là. Ah, je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je peux rien en faire. Non, c'est ça. Hein. Mais je peux. Ouais, il n'y a aucune direction. Aucun monde où je peux amener ça en dessous, merci là peut-être. Bah non. Bon, bah, je sais pas. Ah, mais c'est juste le truc que j'ai poussé. Peut-être que la rose, du coup, je peux l'amener d'une certaine manière de l'autre côté pour je ne sais pas quoi. Pas quoi faire. Ah mais dès que je prends des trucs, t'es pas content, toi.
Elle me l'a récupéré à travers, ouais. Voilà, une cuillère. Il y a moyen de savoir ce qu'il faut faire? Non, du tout. Peut-être lui rouvrir la porte en fait en lui rendant les clés. Je l'emmerde, hein. Je fais ça. Non, c'est à moi. Bon, il sert à rien, lui. C'est bon, je l'ai assez emmerdé comme ça. Par là. Il y a un vieux. C'est coincé. C'est coincé ici aussi, merde. En passant par l'eau, on peut aller quelque part. Assembler, non. Ah. Non. Ah bah non. Dommage.
Moi, je trouve que la flotte dans le doute. Hein. Et tout est bloqué de l'autre côté. Un monde, ça. Dû m'enseigner un peu sur le concept du jeu, qu'est-ce que je suis supposé faire. Donc pour moi c'était juste faire chier le monde, mais ça débloque rien. Non, ça lui a pas pété la gueule comme j'espérais. Un petit peu trop à chaque fois. Comment on fait? Tu utilises le mec pour quelque chose. Un peu con de les bloquer début du jeu comme ça. Il y a une logique que j'ai pas. Pourquoi il me sert lui? À quoi il peut me servir, hein. Il va pas m'ouvrir la porte. Hein. Il s'est embêté à tout ranger. Y a rien dans le jeu là, vraiment. Option. Non, ça dit même pas ce que je suis supposé faire. Est-ce que c'est sur d'autres touches? Ah! Porte son chapeau de soleil. Râteau dans le lac. Ok. J'ai pu faire en sorte son chapeau de soleil. Bah ouais, enfin j'ai déjà mouillé. Son chapeau de soleil, qu'est-ce qu'il s'appelle chapeau de soleil? Râteau dans le lac, on a déjà ramené le râteau dans le lac, ça s'est fait. C'est bien mieux de savoir ce qu'il faut faire. Sur la nappe, sandwich, pomme, citron, carotte. Et oui, une nappe de pique-nique. J'aime pas ça là. Alors, une nappe quelque part. Où est-ce que j'ai. Ah, c'est là. Okay. Alors, on a dit sandwich, pomme, citrouille. Ok. Bon, sandwich, j'ai foutu la flotte.
Le chapeau de cela que je veux vraiment pas ouais, faire. Tu vas avoir une citrouille quand on fait un pique-nique. Base. T'es où? En dessous. Quoi d'autre? Avec le sandwich, ça n'a pas validé? Bah ouais, enfin, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est un sandwich, ça. Hein? Pour les deux? Carottes, confiture, thermos, radio. Oui. En tous les piquets en fait. Bon, on m'a perdu. Il faut pas me faire griller à ramener ça ici. Sinon, il va tout reprendre. Radio panier. Ah, tu es là. Quel panier là. Ah, c'est ça qu'ils appellent panier. C'est une glacière pour moi plus qu'un panier, mais on va tester. Non, ce n'est pas un panier. Parce que c'est le panier. Panier, panier, panier. Merde. Voilà, compliqué les virages. Hop là. Est-ce que c'est un truc normal? Ah bah c'est ça le panier. Let's go. Il y en a
presque le perfect là. Il n'y a plus que la radio. Ah merde, il l'a trouvé. C'est le dernier truc à amener, lui. Si je le mets dans l'eau. Ah ! Piquez les virages. Non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ouais, qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi cette petite danse que tu me fais ? Oh. Et je fais ça. Oh, oh allez, oh, c'est mon enfer. Sur le pouce, what? Bon, ça importe son chapeau de soleil. Ça, je sais pas comment faire. Ça donne un coup de marteau sur le pouce. Ah, c'est après. Mais c'est le chapeau de soleil, vraiment. Je... Encore faut-il que je vois un chapeau de soleil quelque part. Chapeau de soleil. C'est pas on lui ramène. Bah, je te ramène tout et tu vas pas gueuler, hein. C'est vraiment le coup du chapeau de soleil. Manque d'une explication là. Je vais devoir attendre qu'il ramène tout là. Juste de ne pas avoir le truc du chapeau de soleil. Moi j'ai la zone d'après. Hein. Casser le balai, ouais. Pas de chose là. Téléphonique.
si je refermais un gamin dedans, pour qu'il sache où elle est. C'est quand est-ce comme zone? J'ai pas vu de cabine téléphonique. Casser le balai. Un balai, une cabine téléphonique. C'est ça le balai. Peur, hein. C'est ce qu'il allait se réfugier. Allez, va te cacher là. Mettre les mauvaises lunettes. Reviens, reviens gamin. Casser le balai, faire en sorte que quelqu'un... Alors, si je voulais casser un balai, comment je ferais là, avec ce qu'on voit là? Mettre dans le panier, brosse à dents. Panier. Trouver le panier déjà. C'est ça qui s'appelle le panier? Non. C'est le panier là.
Brosse à cheveux, conserve. Qui brosse, quelle qu'elle soit. Le détergent est là. La brosse à dents est là. Pas dedans. Bah, ça veut pas. Sa cheveux conserve fruits et légumes. Vu que bon, sa cheveux et conserve. Ah si, dans ses cheveux là, ok. J'ai vu la conserve. Cassez le balai et rachète. Casse le balai. J'ai ses propres affaires, voilà. C'est un interstice de porte. À chaque fois, elle est en loup. Ramasse des trucs, ramasse des trucs, ramasse des trucs, ramasse des trucs. Non, mais ne remets pas direct, imbécile. Oh.
Oh, mais t'es relou là! Mais pourquoi elle sort toujours le balai là? Ouais. Je peux pas lui choper son putain de balai! Faire maintenant. On le casse. Comment je fais? Si je vais faire l'enfant de nouveau dans la cabine, peut-être? Non, pas par là, pas par là, pas par là. C'est bon, dans la cabine. Les chiens de troupeau là. Allez, on tape dedans. Ça n'a pas pété. C'est passé. Bon. Nul, en plus il l'a coincé. Devinez la logique du truc. Achète ses propres affaires. Tu peux pas deviner le truc. Et de même, casser le balai. Bah, là, logiquement, ça le pétait, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je peux pas inventer des trucs, moi. Coincé. Donc ça l'a carrément... Oh putain! Je peux même plus l'utiliser! Ils se sont foirés dans leur truc! Je sais pas comment je le pète moi le truc, il n'y a aucune logique. Coincer le truc à cause d'un bug, j'adore. Je fais le truc qui me semble le plus logique pour péter un objet comme ça, mais non, ça va fonctionner. D'ailleurs, tourne dans la cabine, tu peux me débloquer, je sais pas, un miracle. Allez, dans la cabine, vas-y, débloque-moi. Non, c'est niqué, hein. C'est définitivement niqué. Ok, bah voilà, le jeu a planté, hein. Super. En sorte que quelqu'un rachète ses propres affaires. Truc.
Écoutez, c'est le seul truc qui me semblait logique. Bah non. Je peux rien faire, c'est trop haut. Toujours coincé le balai là. Toujours full bug. Non, ça a l'air d'aller. Oh, miracle. Bon, ça va, cette porte-là n'a pas fonctionné, l'autre là non plus. Donc, comment je suis supposé deviner la manière dont on pète un balai? Il n'y a rien nulle part qui peut laisser deviner. Le gosse, il veut faire quelque chose avec le balai? Je dégoûte. Parce que je peux essayer de faire que le gosse court vers le balai. Et voilà. On va arrêter le balai, connard. Je sais pas, et là, oui. Bon, bah non. Oh putain, il n'y a aucune logique dans leur truc. Racheter ses propres affaires, mais je... Elle est pas conne si je... Enfin, il... C'est la vendeuse ça, donc comment on va racheter ces trucs? Définitivement, il y a une logique que j'ai pas... que le jeu invente, on doit deviner là, je sais pas. Déjà le truc, son chapeau de soleil, nulle part il y avait de chapeau. Casser le balai, bah, écoutez, j'ai fait le truc qui aurait dû le péter, c'est un truc qui était logique. N'a pas fonctionné. Parce qu'ils attendent de plus, hein. Pour l'instant, je vois pas pourquoi on a fait tout un point de ce jeu, alors que bon, bah tu dois faire avec une logique qui n'est pas logique, enfin je comprends pas. Où est-ce qu'ils veulent que je pète le balai là, la map, il n'y a rien qui permet de péter un balai, l'autre acheter ses propres affaires non plus. Est-ce qu'il y a une nouvelle zone par là? Ah oh, putain, c'est bloqué. Vraiment, tant que je fais pas ce qu'il me demande. Il n'y a aucun moyen de le faire, je suis bloqué. Super. Bon, bah faut péter un balai et que l'autre achète ses affaires. Il n'y a aucun moyen de faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la conserve. Faire ça. Non, je peux pas faire ça. Ça marche pas. Comment, attendez, comment on fait acheter cette affaire? Enfin, les vendeuses ne vont pas acheter un truc, enfin, ça n'a aucun sens. Ça, que je mets sur le magasin. Si je le pose là, peut-être que le gosse, après, il va vouloir... Thank you.
Tu veux pas juste le poser? Mets-le sur tes affaires. Voilà, nickel. Bon, il a plus ses lunettes par contre. Il va le racheter son truc, mais le casser le balai. On en revient là. Hein. Le balai. Puis moyen de casser. Et il t'a regardé une soluce pour le balai parce que franchement, il n'y a aucun élément. Plus casser un balai qu'une porte qui viendrait claquer sur le mur. Bon, et le gosse, tu veux pas aller acheter ton truc là? C'est pas ses lunettes donc il est chiant. On est vraiment là? Dans le garage. Non, je peux pas sortir, moi. Bah, tu t'en fous de la carotte. Vraiment. Demi-tour. Non, je veux juste me barrer et actionner le truc. Casser le balai, vraiment. Ah bon, ça pour ça, ok. Quelqu'un casse le vase précieux. Mmh.
que ça. La villa, l'homme des choses. Se mettre un ruban. Comment on lui fait cracher son thé quelque part. C'est ça. Comment je le tarie? Parce que je mette un ruban. Se mettre un ruban. Comment hein? La machine à laver, elle est où? Quoi bon? Putain, je vois aucun truc logique là. Casse le vase précieux. Qu'est-ce qui s'appelle un vase précieux? Le bus là, il a déjà la casquette. Machine à laver en plus. Là, il n'y a aucun truc où je vois le moindre indice. Hein. Laver le linge, qu'est-ce qui suit? Mettre là-dedans. En fait. Ben non, je peux pas. C'est trop. Faire en sorte, crache son thé. Comment je fais ça? Ah, c'est pas moi qui bois, je dois faire le con. Ok. Je peux pas le prendre! Blague! Oh, allez, bois ton thé. Arrête avec ton journal. Ah, si, oui. Vas-y, c'est maintenant. Tu bois un peu? Ça, se mettre un ruban. Ça, mais ouais, du coup, je peux rien faire avec le ruban. Se mettre un ruban, bah ok, je suis niqué. Il y a rien que je puisse en faire, hein, donc là, c'est réglé. Alors déjà, voilà.
On est à 15 vases précieux. Je n'ai vu aucun vase précieux. Habiller le buste. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle habille de plus? Qu'est-ce qu'il y a, quoi d'autre? Une écharpe? Il y a une écharpe quelque part? Bien. Mettre un ruban, le ruban. Mettre un ruban. Bon, bah, le seul ruban qu'il y a, c'est pas strictement rien. Bah honnêtement ouais je m'attendais à autre chose parce que je vois aucune logique en fait. Et... quelque chose par là, il y a de l'eau ou pas? Ils disent ouais fais ceci, fais cela, mais quand tu fais les trucs logiques pour le faire en fait, bah non c'est pas ça, donc faut trouver le script full random. C'est là-dedans que je vais amener. Non je sais pas. Rien lâcher dedans, c'est trop haut, non? On peut pas monter là? Et même pas. Quelque chose par là? Non, si. Ouais, on peut débloquer. Voilà. Le bleu, c'est un truc qui se ramasse ou pas ça? Un petit nœud. Enfin, fallait aller aussi loin que ça. C'est ça qui s'appelle ruban? Non, c'est juste un nœud ça. Ça me disent, ouais, laver le linge. Alors, est-ce que ça est jeté dans ce puits ou pas? Ou dans la flotte, je sais pas. Non, non! Putain, bâtard! Ben, c'est parti, 20 ans de tour de map. C'est bon. Je l'avais tout à l'heure, ça. Ouais, ça doit pas être dans le puits. Par contre, faut se taper 20 km quand tu prends les trucs pour les amener. Je pense que c'est bien à cet endroit-là qu'il faut les amener. Même la musique, elle a abandonné là. Et non, t'es allé trop loin là. Parce que le nœud pour le buste, je ne sais pas. Là, seul ruban qu'il y a, c'est celui-là, et c'est pas ça qui marche. Elle est où la meuf? Vas-y, t'en fais quelque chose de ça ou pas? On sait rien, qu'est-ce que tu fais? Ouais, le nœud, non. Ou quoi? On va essayer de trouver du linge. Une paire de chaussettes. Apparemment, faut prendre les deux en plus. Faut que je me tape. Dizaines de voyages juste pour ce truc. Vérifier. Le fun! Savoir si c'est la bonne chose à faire, on n'en sait rien en plus. Attends, je vais laisser la chaussette là pour l'instant. Le problème c'est que vu qu'ils disent une paire de chaussettes, si je jette la première et que c'est pas validé, je saurais pas tout de suite si c'est bon ou pas. Et j'ai pas envie de me retaper le voyage 20 fois si ça sert à rien. Voilà, c'est. Faire en sorte que l'homme se déchausse. Comment tu fais ça? J'ai rien pour lui mouiller les pieds, j'ai. Je sais pas. Est-ce que je peux pas lui enlever? Ah, ça fait rien. Il n'y a rien qui peut le faire enlever ses chaussures. Là. Quoi, être une noix? Ouais, c'est. Attends, il y a le soutien-gorge dans la liste. Ouais, soutien-gorge. Bah écoute, on va essayer avec ça. On va les piquer ça. On va voir s'ils mettent dans la flotte. C'est ça qu'ils appellent laver le linge. Là, pareil, habiller le buste. Ah,
Je sais pas ce qu'il faut de plus pour l'habiller, mais... Allez, c'est reparti. Le chemin qu'on me demande de faire 20 fois. Comment il va, Segmev? On va essayer le puits, hein, déjà. Non, trop haut déjà. Ok, ça c'est réglé. La flotte, elle est... Non, pas là. Si je lâche dans la flotte, eh ben, il tombe avec ce con. Et du coup, c'est pas là. Bon, j'ai aucune idée d'où faut amener ces putains de trucs. Si la flotte, ils appellent pas ça laver le linge, utilisez ce qui suit. Laver le linge. Bah oui, mais où, en fait? Ah. Ah, oui. Oh, mais la retraite, faut pas y compter, de toute manière. Hein. On sait que d'ici là... C'est une pièce. Acheter une pièce dans le puits, peut-être. Marche pas. Avec de l'élan. Voilà. Ça pour rien. On va voir ici. Si, si, ça me ramène où, ça? Ok, le truc du début. Bon, bah je sais pas où est-ce qu'ils veulent que je lave le linge. Hein. Tu... Voilà. Le gros problème, tu as deux trucs qui semblent logiques, le puits et la flotte, bah c'est pas là. Du coup, c'est le résumé pour moi du jeu jusqu'à maintenant. C'est on te dit de faire des trucs, donc tu fais la chose la plus logique pour le faire. C'est pas ça. Si tu trouves, devine pas le script qu'ils ont en tête. Malheureusement, parce que là le truc de l'eau, il est trop haut. Tu peux rien déposer là-dedans. Hein. Ce truc-là ne sert à rien. Comment on lui fait enlever ses chaussures à lui? Peut-être faudrait, non? Ah, pas du tout! Non, 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 c'est totale découverte. Ah, si j'avais vu Spidon, j'aurais vu des solutions. Mais là, non, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Hein. Déjà, les premières zones, il y a des trucs, le truc, là, avec quoi? Casser le balai. J'ai fait ce qui me semblait plus logique, la seule chose qui me semblait pouvoir casser un balai, donc le coincer dans un coin de porte, mais non. Là, porte son chapeau de soleil, j'ai vu le chapeau nulle part. Mais alors, cette zone-là, c'est la pire, c'est pire que tout, là. Se mettre un ruban, il y a un seul ruban dans la zone. Je peux juste le décrocher, et c'est tout. Voilà, le seul ruban qu'il y a, c'est celui-là, donc je le décroche. Maintenant, je peux plus rien en faire. Donc, bah c'est... voilà. Je vois pas ce qu'il y a de plus. Ce ruban... j'appelle ça un nœud, mais... ok. Vas-y, tu veux habiller ton truc avec ça ou pas, toi? Ils veulent aussi que j'habille le buste. Mais elle fait rien, elle. Chaque fois, voilà, elle fait... Oh, bah le nœud! Donc, comment j'habille le buste? Vase précieux. Est-ce que c'est ça qu'ils appellent un vase précieux? Vas-y, elle a vu le nœud, qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce que t'en fais, ça? Rien? Tu le dépoudres, ouais, d'accord, rien à foutre. Okay. Attendez, peut-être que si elle le porte et que je... À ce moment-là, je fais sauter le gong, peut-être que ça va la faire lâcher. Non. Rien à foutre. Ok, elle le lâche comme ça, en plus, Balek. C'est un vase précieux, elle le laisse tomber comme ça. Logique pour péter ce putain de vase. Elle l'a dans les mains, je fais sonner le gong, elle le lâche, bat les couilles. Donc, ça, c'est le savon qu'il faut pour laver. Laver le linge, tu sais pas où, mais laver le linge. Est-ce que c'est dans la baignoire? Ouais, du calme. Je sais pas où il est passé le truc. C'est la propulsée où? Putain, elle est jusque là, vraiment.
semblerait bizarre de devoir juste le mettre dans la baignoire qui est à côté. On va chercher le soutien-gorge dehors. Non, la baignoire est trop haute. Tout de même pas. Ouais, non. Je ne vois absolument pas où est-ce que je dois laver le linge. Il n'y a aucun point d'eau, il n'y a rien. Le truc de l'eau là, il est trop de l'autre côté là. Ça rentre pas. Là. Oui. Il n'y a rien, il n'y a pas un petit truc d'eau. Voilà, peut-être là-dedans. Super. C'est ça depuis le début, c'est ce point d'eau de merde en fait, ce qu'il faut faire. Donc voilà. Chaussettes déjà. Hop. Donc ça va pas débloquer la situation, hein, parce qu'il y a toujours les autres trucs où j'ai aucune logique trouvée là. Le ruban, porter un ruban, je suis une oie, hein, je ne peux pas faire des nœuds autour de mon cou en fait. Non, tu vas pas me faire chier, tu vas pas en train de faire chier. Est-ce que c'était ça déjà? Par là quand même, vous m'emmerdez à me faire le tour. Il va vraiment les sortir, tu vas vraiment me faire chier comme ça. Mais il est obligé de me voir. Okay, du coup... Ah, et du coup ça me l'enlève. Non mais jamais c'est possible. Parce que je suis obligé de lui passer sous le nez à chaque fois. Il me nique tout mon truc. Chez la voisine, je me casse les couilles. Ah, soutien-gorge, faire chaussette, pantoufle. Ah oui. Donc déjà la pantoufle, on est un double problème. Parce que en fait, depuis tout à l'heure, il veut pas se déchausser. Du coup, la pantoufle, je suis niqué. Si j'arrive pas à voir ses grolles, lui... C'est quel truc logique lui fera enlever ses chaussures? Aller chercher quelque chose dans l'eau. Enfin, il les a gardées. Non, j'ai mis les trucs dans l'eau, il a gardé ses... Regarde, il y a une chaussette là. Hey. Ben non. Ça y est. Dis-moi qu'il enlève ses drôles. Même pas. Mais c'est une blague. Faire en sorte que l'homme se déchausse. Il a les pieds dans la flotte, il se déchausse pas. Je vois pas quel putain de truc je peux faire pour qu'il se déchausse.
Je disais, il n'y aura pas plus logique que de lui imbiber ses pantoufles de flotte pour le faire les enlever. Hein. Je pourrais lui chier sur les pompes, il les enlèverait pas plus là. Putain, tout à l'heure je le faisais, ça marchait pas. J'adore. C'est faire 20 fois la même chose, est-ce que ça marche? J'adore. Putain. Vas-y, retourne t'asseoir. Oui, non, j'aurais peut-être dû commencer par le savon. Est-ce que là, bah, il est passé où le savon? Merde alors. Lui prendre ses grolles, la putain. Je peux pas enlever la deuxième. S'il a le pied au sol, je peux rien faire. Oh, vas-y, prends le savon, tiens. Ouais, et puis elle le repère direct. Où est-ce qu'il a acheté le savon là par contre Je sais pas où est le putain de savon maintenant. Allez, okay. Ah bah je veux bien. Mais là c'est un 10 sur 20 000 choses à la fois. Hein. Tous les trucs qui veulent que je passe sur ce tableau, franchement, il n'a aucun. Ah, ils veulent deux. Ouais, super. Rien à foutre de ce que je demande. L'autre, à chaque fois, elle est là, donc j'ai même pas une microseconde pour faire ce que je veux. Voilà. Non, elle repère direct la chaussette. Il est où le savon maintenant? Il est où le savon? Je puisse sortir avec le savon. Il est où le savon? Elle l'a remis là. Et elle a refermé, mais elle m'emmerde. Je peux rien faire avec ce putain de savon. Si le truc elle le laisse ouvert 10 secondes, je peux rien faire. Hein. Il m'en faut au moins 30 pour aller chercher ce savon et revenir. Sachant qu'il faut pas qu'elle me voie en plus pendant ce temps-là. Il aura jamais les deux pieds en l'air, je pourrais jamais prendre les deux chaussons en plus, ça me casse les couilles. Voilà, je peux aller choper un truc maintenant parce qu'elle va me voir direct. Il est où le savon? Non, 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 allez, ramasse, c'est bon, c'est bon. Il va aller me dénoncer au voisin là ou pas? Aïe, aïe. Ta gueule.
Notre canard, c'est là-bas, se mettre le ruban. Pas de quoi tu parles, du coup. Part si elle inverse ses trucs, mais enfin, c'est pas moi, quoi. Vas-y, la chaussette, on la laisse là. On en est où là? Perte chaussette, une pente. Un morceau de sable. Une pente. Des chaussées. Tu vas réellement rester là. Ah mais tu t'en fous, c'est toujours la priorité, c'est ça? Non, je vais pas m'emmerder à ce point quand même. Allez, demi-tour. Ah ouais, d'accord, super, t'en as rien à foutre. Je ne fais que courir pour essayer d'aller assez vite. Mais j'ai speedrunné le truc, ça n'a pas marché. Putain! Pantoufle, déjà ça en fera déjà un de moins. Non, je vais même pas la prendre. Voilà, hop. Ça c'est fait. Mais ça n'est pas rendu compte. Bah si, ils s'en rencontrera, mais quel enfer. Vas-y, non mais assis-toi, c'est qu'un peu de chance. C'est juste un script à la con, votre truc. Non mais je suis pas là, t'inquiète. Est-ce qu'à un seul moment, son pied arrête de toucher le sol? C'est bon, on va être psychoté aussi un moment. Ça y est, putain, c'est maintenant. Oh, c'est une blague. Dis-moi que c'est bon. Ah putain. C'est mettre un ruban, aider la femme à habiller le buste, casse le vase précieux. Alors le vase précieux, elle a balancé par terre en n'ayant rien à foutre. Mettre un ruban. Attends. Si je le fais tomber et que je me mets à côté, est-ce qu'elle va croire que je suis une statue? Pas con à ce point. Ouais, donc non. Définitivement non, quoi. Donc le vase, il est incassable et je dois faire que quelqu'un le casse. Compliqué. Habiller le buste. Avec quoi? Par la casquette, des lunettes, s'il y avait des lunettes quelque part, peut-être lui piquer les lunettes au mec. Piquer ce truc, on va aller le mettre là. Vas-y, va par ici. Je te pique les lunettes en attendant. Mais non, parce que tu tournes direct la tête, donc t'es un connard. C'est bizarre la priorité, hein, tu m'emmerdes. Prends ta pipe. Ah!
lunettes. Il manque encore quelque chose, c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut que je mette de plus sur ce buste à la con, putain? Ah bah c'est un jeu qui est où tu dois énerver les gens, pas énerver le joueur, je ne comprends pas en fait. Il n'y a rien qui habille quoi que ce soit dans votre zone de merde là. Je peux y mettre une batte de cricket. Plus rien, cette zone, que dalle. Comment je lui fais péter le vase? On a rien à foutre du vase. Lui, en le jetant, peut-être. Il se rend compte qu'il y a un vase qui est pas à lui, il va lui balancer en disant hey, t'as me ramasse ta merde. C'est rien. Voilà, c'est ça. Bon, se mettre un ruban et la femme habiller le buste. En fait, une personne n'a pas la capacité de se mettre un ruban. C'est pas tout pour s'habiller, quoi. Dézoomer, prendre, courir, s'accroupir, agiter ailes. Si j'ai ça dans les mains et que j'agite les ailes, ça fait quelque chose. Bah non. C'est logique. Je vais échanger le ruban bleu pour un ruban rouge. Ça change rien en fait. C'est. Elle s'en bat les couilles. L'un ou l'autre, elle met, et puis. Voilà, l'autre est posé par terre, et puis c'est tout. Donc, c'est pas ça! Se mettre un ruban, mais putain. On n'a pas de compétence pour ça en fait. Est-ce qu'il me foutrait un ruban? Est-ce que l'autre se dirait ah, c'est rigolo si j'attache un ruban sur la oie, sur l'oie? Est-ce que ça me donne? Non, pas du tout. Du coup, à ton aide, cette mève. Je vois pas ce que tu veux dire, c'est la voie pour mettre le ruban, ben je le vois pas. Hein. Et l'autre truc là, il est la femme à habiller le buste, il n'y a plus rien pour habiller là, hein, c'est fini. Elle va pas lui mettre un soutien-gorge, elle sait très bien que c'est son truc à elle ça. Elle va foutre un soutien-gorge sur le buste, ou alors c'est vraiment... c'est ça la solution, c'est le foutage de gueule encore. C'est une écharpe, une merde dans le genre, mais il y a ça nulle part. C'est juste une pipe. La pipe.
lui amène une pipe, mais tu veux pas tenir une pipe sur un buste, c'est pas normal. Allez, vite, 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 prends la pipe, prends la pipe. Là. Pourvu que ce soit pas ça, sinon c'est honteux. Mais non, mais c'est pas possible en fait. Ça ne tient pas. Ça n'est pas possible de faire ça. Y a pas un trou pour la pipe dans ton bus, connasse! Taille le bourrosier. Taille le bourrosier. Y'a un bourrosier quelque part. Ah oui, chez le mec. Chouk, je pique le truc. Bon, allez, non, y'a que se mettre un ruban que. On a le droit à un truc qu'on peut pas faire. On n'arrive pas à faire tout. Et vas-y, taille ton rosier. Non, réellement. Tu vas réellement la rendre. Oh, mais connard. Attendez. Est-ce que je. Arrange. Ça, là, lâche. Là, tu fais ça. Lâche-t'es là le truc, hop. Taille un peu ton truc parce que regarde comment je l'ai niqué, vas-y. Et rate ton coup. Voilà. Oh bah ça alors. Quoi le truc violet quoi. Tu ouvres un nouveau chemin. Toutes les zones, il y a une tâche que j'ai pas faite. Hein. Alors, entrer dans le pub, casser la scie, ok. Je rentre.
vais juste enlever tes lacets, moi. Ça c'est clair, mais j'arrive pas à... Voilà. Je vais attendre. Ok, et à un moment on arrête de s'emmerder ou pas? Parce que c'est un peu long là. Ici. Poubelle. J'ai acheté une canne. Mettre la table. Quelle table? C'est la question. C'est bien gentil d'avoir une fourchette, mais... sur les fesses, tiens un petit bateau, cassé. Petit bateau ça va aller. Couteau est là. Sur quelle table ils veulent que je mette la table? C'est trop haut. Je vais... Ah, ça me bloque là-dessus, non? C'est ça. Couteau, assiette, poivre.
pied. Par là. Non. Ouais, donc jamais elle laissera le temps. Donc il descend, l'autre qui bouge pas. Ça va couper un moment. Donc le bateau sorte. Allez, allez, encore un petit peu. Un petit peu. Ah. Allez, il tombe vraiment pas le bateau là? C'est une blague? Non mais je vais pas attendre 6-7 ans quand même. Putain! C'est abusé. Assiette, c'est bon. Là, c'est juste la bougie, je sais pas où elle sera. Je suis pas là, vous occupez pas de moi. Vous continuez de livrer. Hello Ikichi! Ça fait longtemps, dis donc! Comment tu vas? T'es sur quelle aventure RP en ce moment? Une bougie, encore une bougie. Les bougies, les bougies. Où est-ce qu'il y a des bougies? Ça va, ça va. Il y a un passage par là. Je commençais un nouveau truc il y a 2 jours. J'ai rejoint un groupe dans leurs aventures. Parce que Vice, c'est fini.
coup, c'est un groupe dont j'ai connu le lead au début de mon expérience RP, et du coup, bien content de pouvoir rejouer avec lui. J'ai pas vu de bougie, moi, nulle part. Et du coup, c'est un projet. On fait les cons et c'est très bien comme ça. Ah putain, il y a la bougie. Hop, je prends la bougie. Hop. Voilà, ah, ça passe pas. Mais où est la bougie? Là, ils vont devenir rares, les anciens sur Vice. Hein. Est-ce qu'elle me voit si je fais ça? Bah parce que déjà, j'avais annoncé à mon groupe que je faisais une pause au moins temporaire. Je leur avais dit que bah voilà, moi, j'avais plus l'envie de jouer à cause des fondats du serveur qui donnaient vraiment pas envie de partager le même plateau de jeu qu'eux. Et puis un jour, bah du coup, il y a un des fondats, pas pourquoi, il m'a ban. Parce que ça se sentait en jeu que je surkiffais pas les scènes avec lui. Puis, de toute façon, moi, voilà, j'avais dit que En fait, il y a eu un ticket d'ouvert où on me demandait « Est-ce que tu comptes continuer à jouer ?» On sent que tu te connectes que quand il y a un besoin parce que tu es convoqué par les shérifs. J'ai même pas eu le temps de répondre. Parce qu'en fait, j'ai été ban parce que du coup, lui, il sentait que j'avais pas envie de jouer avec lui. Et puis aussi parce que, vu qu'il avait fait du RP agresseur sexuel, il avait pas aimé que quelques jours après, je fasse une soirée où je fasse un Gartic Phone avec la nana qu'il avait agressée en RP. Donc, ça l'a vexé. Casser la scie, faire tomber. Hein. Bon, comme toujours, selon lui, le problème, c'est les autres. Il y a juste la moitié du serveur qui s'est barré. Il y a des dizaines, plus de 10 membres du staff qui sont partis également au fil des mois, mais le problème c'est lui, pas. Enfin, c'est tous les autres, c'est pas lui. Obtenir une fleur récompense, voler une chope vide et la jeter dans le canal. Une chope vide. Attendez, une chope vide. Non. Mais lui, il y a quelque chose à faire avec lui, c'est pas possible. Attendez, casser la cible, faire tomber le veillum sur les fesses. Ah, quand il se lève, faut que j'y prenne son siège. Ok. Attendez. Je peux pas lui enlever le fauteuil du dernier moment. Si, ça va être ça. Vas-y, assieds-toi. Ah bah, ah, elle est là, la cible. Ok. Faire quoi? Tu casses la cible. Ok. Pourquoi tu veux jouer? Je joue de l'harmonica plutôt. Moi j'attends le vieux. Hein. Vas-y, hein, fais ta vie. Voilà, ça c'est fait. C'est pas moi! Mais moi je veux que tu. Voilà, assieds-toi. Non mais je suis pas là, vraiment. Vraiment, mec, je suis pas là. Non mais vraiment. Je suis pas là. Ton harmonica. Va t'asseoir tranquillement. Et moi j'enlève le siège au dernier moment. Voilà. Ah bah, c'est sûr que plus de la moitié des problèmes du serveur vient d'un fondant en particulier. Moi, hein. Ouais, le seul regret, c'est de plus pouvoir jouer avec la bande de potes avec lesquels on a attendu pendant 13 mois ce projet. Et bon, bah, écoute, eux, ils continuent. J'espère qu'ils s'y amuseront, même si bah, ça va être compliqué, forcément. Puis là, du coup, je suis sur un truc où je me prends pas la tête. On pourrait prendre une fin de projet demain sur une connerie, franchement, aucun problème avec ça. Bon, obtenir une fleur en récompense ou voler une chope vide. Une fleur en récompense. Récompense de quoi? Ah, faut être gentil avec eux. Parce que j'ai une fleur. Si je me mets là. Si je lis ce que je fais. Vous avez envie de me donner une fleur?
Tu me jettes les merdes là? Faire tomber un seau sur la tête de l'homme costaud ou voler une chope vide? Caution, non, Shelby, j'irai pas jusque-là. C'est. Le monde n'est pas noir, noir ou blanc. Il y a du gris. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont donnés sur le serveur. Faut pas oublier que le serveur, c'est pas une seule personne. Quand bien même, il représente beaucoup de problèmes majoritaires. C'est pas une seule personne. Il y a quand même beaucoup de staff qui. Restez cautionné, non! Tu peux pas, bah c'est comme si tu restes sur un serveur où il y a une seule personne. Là, il se trouve que c'est le Fonda, donc c'est vraiment très dommage, on va dire. Mais non, il y a l'espoir que ses filles, il arrêtera ses conneries. Le truc, c'est que bah, plusieurs fois, il y a eu cet espoir, et à chaque fois, c'est une boucle qui se répète, malheureusement. Non, mais je suis d'accord, après. B-Boy n'était pas sur la scène, lui, hein, par exemple. Pourtant, je peux avoir des griefs contre B-Boy, mais pour le coup, j'estime que au moins lui, il a relevé le niveau par rapport à moi. Je place Cib comme Fonda, hein, parce que à partir du moment où il a autorité sur les. Merde. La tête de l'homme costaud. Attendez, l'homme costaud, comment je fais pour l'amener ici? Qui me suit jusque-là? Comment je fais? Que le saut il est là. Mais c'est pas une shop ça. S'ils appelleraient, ils appelleraient ça une shop ça. Oh, c'est un verre. Pas de canal ici. Hein. Le saut il est là. Comment je fais pour que le mec vienne jusqu'ici? Parce que c'est ton serveur, tu peux pas le virer. Ça, n'importe qui d'autre aurait fait. Déjà, ce qu'il a fait plusieurs fois, il y avait le ban death pour n'importe quel autre joueur. Rien que la scène avec Khaleesi d'agression sexuelle, ce serait n'importe qui d'autre que un Fonda, n'importe qui d'autre que. Ah merde. Le dev qui, s'y part, il a les clés. Merde! Oh non, mais pour rentrer, ça va être de nouveau l'enfer, là. Vite, vite, j'ai pas envie d'attendre 3 ans, putain. Hop. On peut pas rentrer dedans. Oh, putain. Ça m'a vu, hein. Non, c'est bon, ça passe. Non, ça passe pas. Bah, ils ont tous les deux les clés. Il peut pas virer à celui qui a mis tout le pony, qui a mis les temps. Chier. Ouais, j'ai réussi ça à la faire poser le truc. Mais non, je peux pas. Je suis obligé d'attendre 3 ans à nouveau pour rentrer. Super. Ah oui, non, mais ça, c'est le problème de beaucoup de serveurs, les Fonda qui. Il y a des règles, mais les Fonda vont pas appliquer les règles de la vie. Ah oui, ça, c'est un très, 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 très gros problème. Moi, j'avais toujours dit, les serveurs sur lesquels je veux jouer, je veux qu'il n'y ait pas de passe-droit. C'est chacun joue avec les mêmes règles. À partir du moment où tu te fais des persos one-shot, à partir du moment où tu fais du. En pleine scène, tu utilises le TX admin, que tu te fais du give en jeu, que tu te fasses spawn des véhicules, machin. Bon bah non, voilà, c'est. T'as pas fait un serveur pour que les gens jouent, t'as fait un serveur pour que les. C'est ton truc à toi, et peu importe si tu niques le RP des autres. Et ça, bah, c'est, comme tu dis, Shelby, c'est souvent. Ça s'est vu, hein, bah, mon Zibar, pour les serveurs, ça a été ça. L'autre. Vas-y, je me mets un truc au milieu. Je me mets un labo au milieu. Laboratoire au milieu de mon QG. Jour 1, on se donne des Sanchez à tous. Comment je le fais pour l'amener jusqu'ici, moi, le mec, par contre? Parce que c'est ça, c'est. La tête de l'homme costaud est le seul saut que j'ai vu. Parce que elle, c'est la femme, c'est pas, ça va pas aller. Thank you.
qui viennent jusque là et qu'il y reste. Ça va être surtout ça le gros souci. Réussir à l'attirer sans me faire choper. Il m'a vu. Let's go. Ah merde, le saut est déjà en bas. Oh merde. Ouvrir. Ah, putain, qui passe. Je suis pas là, t'inquiète. Me regarde pas. Allez, vite! Non, bah, je suis niqué! Putain! Mais il reste même pas une microseconde en bas! Bah écoute, moi là où je suis depuis 2 jours, je suis encore à découvrir, on va voir comment ça se passe. Putain, mais l'autre. Non, mais ne me regarde pas! Vas-y, fais ta vie! Okay, il a raté son virage. Oh, il était dessous! Oh, c'est une blague! Sur Air Life. On est allé sur Air Life. Oh merde. On a vu. Ah bah super, vas-y, tu m'as bien niqué toi. Vas-y, remets le saut. C'est bon, t'as tout ramassé, toi? Non? Oh, chiante. C'est ça, en fait, qu'elle me nique tout. Bah, écoute, on est à minimum 200 personnes chaque soir, donc ça se passe. C'est bon, elle a tout ramassé, là, ou pas? Il reste encore un truc. Mais je vais mettre une tomate. Ici. Il est passé où le mec? Il est où le gros? Il est retourné à sa place. Il m'a entendu. Mais c'est toi. Je veux voir lui là. Voilà, il m'a vu. Allez. Ah bah super. Dans l'assiette. Mais j'avais pas vu l'assiette moi. Mais il se barre! Mais tu te fous de ma gueule, toi! Eh, je suis là! Donc, t'es gentil, tu fais ton taf! Oh, mais c'est pas possible! Oh! Il est supposé me chasser! On a conscience de ça! C'est compliqué. Hop. Dites-moi qui va ramasser la pomme. Oui. Voilà. Voyons. Compliqué, hein.
ça me fait un passage. Y'a quoi, voler une chope vite et la jeter dans le canal. Est-ce que je peux faire ça? C'est ça une chope au final. Je vais essayer. Canal, il est où le canal? Il est pas là? Il est où le canal? Voilà, donne-moi ça. Essayez quand même. Est-ce que ça marche? Je vais vite jeter dans le canal. Voilà! Première zone où j'arrive à tout faire, ouais. Bon bah, plus qu'à attendre. Le retour de la nénette. Ce sera pas trop long. Allez, allez. On compte sur toi. Bah. Entrez dans le village miniature, vous voyez la cloche dorée miniature. Ah, d'accord. Trouvez moyen d'aller à gauche. Descend. Et la belle cloche dorée miniature. Où est cette belle cloche dorée? Ils ont même fait le village miniature dans le village miniature. C'est une inception. Ah, cloche dorée. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Encore un peu. Il a ramené jusqu'à la maison. Ah ouais. Okay. Sans aucune discrétion, quoi. Ça va être compliqué. Si
s'ils me chassent tous parce que j'ai une petite cloche. Je marche, ça fait pas de bruit. Okay. Pas content de la cloche. Merde. Oh non ! Vous êtes sérieux ? Qu'est-ce qu'il va faire de la cloche ? Je sors tranquille avec ma clé. Telle est la question. Non, oh non, c'est une blague. Ah non, 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 définitivement non. C'est des couilles là. Hey, t'étais supposé prendre la cloche là. Ouais, je peux... Oh les salauds, ils ont bloqué le chemin. Genre ils ont rajouté un muret là. Incroyable ça. Et là du coup c'est verrouillé, super. Tout verrouillé dans le village, c'est devenu l'ennemi public numéro 1 pour m'enfermer. Allez, où elle est la meuf? Là. Moins de 2 secondes. Mais... Ah mais ils ont réparé le truc! Les enculés! Incroyable ça aussi. Oh vas-y, c'est bon. Ah non, c'est dessus en permanence. J'espère qu'ils n'ont pas réparé l'autre truc après par contre. Si le truc est réparé là. Bon. Attendez, du coup je peux plus sortir par là. C'est quoi cette connerie? Mais il n'y a plus de chemin. C'est-à-dire que c'était l'entrée ça. Du coup c'est... Je ne peux plus y aller. Je sais pas où je suis supposé passer parce qu'il y avait le chemin. Ah c'est là maintenant. Là, je ne fais que passer. Hein.
cloche. Merde, c'était pas par là. Hey, c'est ma cloche. Je la rends. Voilà, merci. Allez. J'arrivais d'où j'arrivais par là, non? Je sais plus, non, j'arrivais de là. C'est pas ça? C'est pas là que j'ai commencé? Ah non, c'est un petit peu plus loin, ok. C'était beaucoup, beaucoup plus court que ce que je pensais. Vache. Je pensais que ça durait 3-4 heures, moi. Surtout en ayant galéré autant sur des trucs. Bon, il m'en manque quelques-uns. Il m'en manquait deux trucs. Un truc dans chacune des premières zones. Et dans le rôle d'une loi. Loi. Pas sur un stream aussi court. Maintenant, qui on... Je sais pas, est-ce qu'on peut passer ça? Ah, si j'appuie sur ça, ça accélère. Et on revient là où on était. Ah, il y a des trucs en plus. Tant pour moi. Viens faire sonner les balances du magasin. Oh, là, plein de merdier à faire encore. Attraper un objet lancé par les... Ouf. Pique-nique au chou. Faire lancer par-dessus le grillage. Ah ouais, rien que ça. Habiller le bus avec ce que je vais trouver. C'est, en fait, c'est des trucs. Il faut être zone en zone, c'est super long. Redémarrer pour faire un essai. Compléter les étages du pub avant que la cloche de l'église ne sonne. Ah oui, ça, c'est tout. D'accord. Ah, je vais pas chercher à platiner le jeu sans tout faire. Pourquoi je peux pas l'attraper? Attendez, il veut pas que je l'attrape? Ah, c'est bien rond, attraper, ça a toujours été rond. Qu'est-ce que c'est cette connerie? J'ai plus le droit d'attraper les objets. Prendre, bah oui, je peux pas les prendre les choux. Ah oui, d'accord, faut jouer au foot avec les choux. Okay, super.
difficulté a augmenté, hein. Le truc est grave, je crois. Là, faut pas se foirer. Non! En plus, il met un point d'interrogation. Mais bon, je ne peux pas l'attraper. Bah, super. Bah, génial. Non. Ça en prend, donc je suis niqué. On va le sortir par là, j'essaie de le ramener par ici. Non, non, très mauvais angle. Et puis c'est en pente du con! Ah! À la flotte, c'est abusé. Par contre, à peine tu les flores, le truc il fait 5 mètres vers le. Ok, génial. Pousse. Oh, putain, mais... Il ne va absolument pas là où je lui dis d'aller. C'est pas parfait la maniabilité, hein. Il y a toujours un décalage entre le moment où on demande un truc et le moment où il le fait. Donc, clairement, ça donne pas envie de platiner le jeu. Allez, moi, ça. Génial. Les balances du magasin. J'espère que tout est déjà ouvert. Ça n'a pas marché. Ah, dans le magasin TV, merde. Ok, bon, on va lui faire peur. Allez, va te planquer, ça le lâche. Quoi qu'il se fout là, toi? Mais non! Du con! Faut pas le refermer! Oh, c'est abusé ça! Mais je peux pas le refermer! Oh putain! Pourquoi il l'a ouvert? Tout recommence.
C'est bon, si elle remet là, nickel. Ah! Non, tu vas pas du bon côté. Pas rentrer là. Bouh! Allez, va te planquer! Va te planquer là! Bon, ça, quelqu'un en dehors de la route principale rachète ses propres affaires. Faut mettre garçon dans le garage. Marquer un but, bon, ça c'est facile. Je sais plus où était le truc. Donc, le garage est ouvert. Ou pas? Oui, faut ramener le garçon jusque là. Allez, cours! Faire courir, moi, le rouquin! Non, pas par là. Non, t'as raté! Oh. Il revient un petit peu, là, il est rassuré. Et... boum! Voilà. C'est pas bon? Bah... ah si. Man. Marquer un but sur la lancée par le sous-titrage. Où était la... le truc où il y avait un petit truc de but? Flotter le petit bateau sous un pont, un spectacle où le peuple en portant un ruban. Ah bah déjà j'ai pas réussi à le porter le ruban, donc c'est réglé. Hein. Tiens, moi j'ai trouvé leur truc peu fonctionnel avec le ruban, donc... hormis en utilisant une soluce, dans tous les cas, je ne ferai pas de 100%. Tiens, colis. Tiens, je peux piquer le courrier. Je vais mettre chez le voisin. Classique. Non, je peux pas. C'est con. C'était pourtant la chose à faire. Voilà. Je
change une lettre contre un colis, il va pas se plaindre quand même. Bon, bah, j'ai pas retrouvé le but que j'avais vu. Même pas là où était le gamin, il me semblait que c'était un autre endroit, moi. On va retourner voir, sauf que c'était là où était le gamin. Bon, je vais pas tarder à arrêter, hein, je vais pas continuer à tourner dans le jeu. J'ai fini le truc principal, on va dire. Là maintenant j'ai l'impression que c'est chaque tâche supplémentaire, c'est pour un trophée. Les tâches facultatives, cachées et qui ne le sont plus. Y aurait-il un but quelque part? Il semblait pas, hein. Il semblait pas que c'était ici. C'était un autre endroit, mais ben, j'ai oublié où. Faire ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Allez, et ben j'arrête là. Du coup, je sais pas si je vais faire un autre stream tout à l'heure. J'ai bien envie de tester un autre jeu. Mais au pire des cas, ah, pour un jour prochain. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée qui va bientôt commencer. À 16h, on peut dire que la soirée commence, hein, même si c'est encore plein soleil là. Du coup, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!